Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est je ne sais plus quel jour et il est 8h46. On démarre la journée tranquillou. Ce que vous entendez, c'est ma petite Oli qui joue juste à mes pieds avec ses casseroles et tutti quanti. Et donc petit début de journée tranquille, 9h moins le quart, Léo est à l'école, David va se préparer pour le boulot. Juste avant, il va changer la roue puisqu'on a des galères avec une voiture, mais franchement pas de chance, vraiment pas de chance. Enfin bref, c'est toujours comme ça. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis Oli et moi, on va rester à la maison aujourd'hui parce que à partir du début d'après-midi, je crois qu'il prévoit énormément de pluie. J'ai pas mal de choses à faire à la maison, j'ai beaucoup de boulot. Avec Oli, bien évidemment, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de m'arranger pour avancer pendant qu'elle joue et tout. Je vais voir comment m'organiser. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti pour une nouvelle petite journée ensemble. Laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Il s'agit de Lily Silk. Cette partie de vidéo est donc sponsorisée par le site Lily Silk. Et si par hasard vous ne connaissez pas ce site, eh bien je vais vous en dire un peu plus. Lily Silk vous propose des vêtements de très haute qualité. On va parler soie, on va parler cachemire. Vraiment des pépites. Comment personnellement j'ai découvert Lily Silk? Je regardais un vlog de Sandrea. Il me semble que c'est elle qui en parlait dans l'une de ses vidéos et elle mettait en place des petites taies d'oreiller en soie et vraiment, je sais pas, j'ai eu un genre de coup de cœur. Par chance, la marque m'a contactée pour coopérer ensemble et bien évidemment, j'ai eu envie de leur faire confiance, j'ai eu envie de tester les produits parce que, comme je vous le dis, j'avais découvert ça dans une vidéo de Sandrea et j'avais très très envie d'essayer. Alors Sandrea avait testé notamment les taies d'oreiller, mais pour ma part, on va pas essayer que ça. J'ai eu la chance de pouvoir faire une petite sélection de produits et je suis trop contente de vous montrer ça. Comme je vous le disais, ils proposent notamment des taies d'oreiller en soie et on connaît bien les avantages de la soie pour dormir, se détendre, améliorer la confiance en soi, etc. Et donc j'ai choisi une taie d'oreiller en soie de couleur blanche. Elle a été envoyée là-dedans, dans cette petite pochette cartonnée où vous pouvez voir eh bien l'inscription Lily Silk. Ouverture du paquet. C'est justement très bien emballé dans du papier de soie. Oh mais la douceur. Et voilà donc la beauté. J'ai bien trop hâte de la passer par-dessus mon oreiller. Bon, elle n'est pas repassée, mais même pour les cheveux, on dit que vraiment ça permet de ne pas abîmer les cheveux en dormant, etc. Donc elle est toute blanche. Pour ma part, j'ai choisi blanche. Elle est voilà, toute blanche. Et la matière est juste mais tellement agréable. Elle semble vraiment parfaite. Pour le reste, eh bien, je vous emmène avec moi. On va aller faire quelques petits essayages. Regardez-moi ça, si ce n'est pas magnifiquement bien présenté. Chaque article est envoyé dans une petite boîte comme ça. Le tout avec la marque Lily Silk écrit sur le carton ou bien encore sur le petit ruban. C'est vraiment très très bien emballé. C'est hyper beau, hyper quali. Laissez-moi vous montrer un petit peu plus en détail. Ici, on a un petit cardigan. Et si vous pouviez toucher à travers l'écran, je vous assure, c'est d'une douceur magnifique. Ce cardigan, il est composé à 90% de laine et 10% de cachemire. Et en ce qui concerne la deuxième pièce, il s'agit d'un pantalon fluide en cachemire de couleur beige. Encore une fois, la douceur, je vous jure, je pourrais passer des heures à faire ça. Allez, je le passe et je vous montre tout ça. Bon, bah j'adore. Il est tellement agréable, appréciable à porter. Les deux petites poches, les gros boutons sur le devant, le col un petit peu châle, les coutures épaules tombantes et tout. Vraiment, je sens que ça va être mon gilet fave pour tout l'automne et tout l'hiver. Je trouve en plus que c'est trop bien parce que c'est une pièce qui est facile à porter, facile à assortir avec d'autres vêtements. Personnellement, aujourd'hui, j'ai un jean noir et clairement, ça fait le job entièrement. La technique de tissage a l'air
ultra fine. Il y a même une technique encore plus fine au niveau des poches. Gros coup de cœur, c'est clairement le pull tout douillet qu'on n'a pas envie de quitter, dans lequel on a envie de se blottir pendant les journées froides et tout. Et franchement, pour une journée farniente à la maison ou pas, et ben je le trouve très cool. Et cette fois-ci, j'ai changé un peu de position pour vous montrer le pantalon. Mais le pantalon, mais je l'aime trop. Il est tellement... Mais j'ai envie de rester là-dedans toute la journée en fait. C'est un pantalon taille haute avec une coupe plutôt régulière qui vraiment je pense peut se porter en fait tout au long de l'année. Je l'aime d'amour. Il est mais tellement agréable, mais j'ai envie de vous le montrer vraiment bien. Mais ouh, regardez, je me cogne tellement je veux prendre du recul mais que je n'ai pas assez de recul. Il est parfait, il est trop bien, il tombe bien au niveau des pieds. Il est magnifique, la couleur, je l'aime tant, la matière, mais parlons-en de la matière. Ce pantalon qui est tout en cachemire, franchement, mais c'est tellement agréable à porter. Je pense très sincèrement qu'on est sur un pantalon un peu multifonction. Vous pouvez le porter à la maison pour traîner, vous pouvez le porter au travail, vous pouvez très bien le porter en soirée parce que il est casual mais en même temps ce pli la verticale que l'on peut observer juste ici, vraiment ça donne beaucoup d'élégance au pantalon. Et alors la matière, mais la matière c'est j'arrête pas de vous le dire, mais c'est tellement douillet, c'est tellement pépite, agréable à porter que voilà, vous pouvez le mettre vraiment dans toutes les circonstances. Vous l'aurez compris, c'est un méga coup de cœur. Clairement, j'ai plus du tout envie de me changer là, je suis si à l'aise là-dedans, c'est vraiment c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir fait cette découverte parce que vraiment gros coup de cœur. Je pense que ça se voit, que vous le ressentez. J'adore en tout cas le cardigan et le pantalon et la taie d'oreiller. J'essaierai ça ce soir, mais je suis persuadée que ça va être pareil. Gros coup de cœur. Donc si vous ne connaissez pas Lily Silk ou bien que vous connaissez et que vous souhaitez recraquer à nouveau, le lien sera dans la barre d'infos. J'ai oublié de vous dire, mais les retours et les échanges sont gratuits. Et clairement, à l'approche des fêtes, eh bien, je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs cadeaux. Parce que très sincèrement, ce sont de très belles pièces. Donc pour faire un très beau cadeau, eh bien, je vous encourage à faire confiance à Lily Silk. Comme je vous l'ai montré, c'est envoyé dans de beaux emballages. En plus de ça, c'est des produits de qualité qui sont tout de même vendus à un prix abordable. Donc franchement, il y a de quoi ravir vos proches. En tout cas, pour moi, je suis très sincèrement ravie. J'adore. Pièce coup de cœur. Ouais, vraiment gros, méga coup de cœur. Je vous retrouve en voiture. On est parti avec ma petite Oli puisque j'ai reçu un colis. J'ai les petits lutins. Je sais pas si vous êtes seul ou pas au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je préfère parler en message codé. You know what I mean. Les petits lutins ont demandé au Père Noël quelque chose pour Léo. Il s'agit de la voiture Pat Patrouille Chase qui, je sais pas, il appuie sur un truc, ça part en moto et tout. Et on l'a trouvé chez Carrefour, mais il fallait qu'on la fasse livrer puisqu'elle n'était pas dispo au Carrefour de chez nous. Donc, et non plus dans les autres Carrefour alentours. Donc on l'a fait livrer et là, ça vient d'arriver. Donc tant que Léo est à l'école, je préfère aller le chercher maintenant parce que comme ça, ensuite, je pourrais... cacher le tout là où il ne risque pas de tomber dessus. Ce matin j'avais pas mal de petits trucs à faire pour la maison mais pas que, j'avais beaucoup, j'ai encore beaucoup de boulot à faire mais j'ai quand même bien avancé donc ça c'est cool, j'ai pu rayer, en tout cas surligner quelques petits trucs de ma to-do et ça croyez-moi c'est toujours très très satisfaisant. Donc voilà, petit point météo du vlog, ce matin on avait du grand ciel bleu et là ça se couvre un petit peu, je crois que cet après-midi ils ont prévu de la pluie mais genre à foison, donc voilà, j'ai lancé un petit feu pour être sûr que la maison reste bien chaude et puis voilà, pas plus. Donc là nous sommes en route avec ma petite Oli, on fait un stop à Carrefour, on rentre à la maison et puis on va pas tarder à manger. Elle a dormi une petite heure ce matin parce qu'elle s'était réveillée relativement tôt, enfin tôt entre guillemets, je sais bien qu'il y a des enfants qui se lèvent beaucoup plus tôt que ça, mais là Oli s'est levée à 7h40, ce qui ne lui ressemble pas du tout, du coup elle était complètement cuite, donc elle a fait un petit siestou, ce qui m'a permis donc de bosser et ça c'est cool. Voilà, donc je vous laisse là, je vais récupérer le colis des petits lutins du Père Noël, tout ça, et puis je vous retrouve après. Bon, je viens d'aller récupérer le colis donc de la Pat Patrouille. D'ailleurs en rentrant, j'ai repassé le petit cardigan Lily Silk, il est tellement casual. J'avais trop envie de le porter et là je suis
oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien dedans. Du coup, ouais, je me suis changée et je me suis dit que ça serait pas plus mal. Comme ça, vous pourrez le voir un petit peu porté tout au long du vlog. Ici, on a une Oli qui fait je ne sais quoi, qui visiblement a décidé de se mettre dans le panier des chats avec ses casseroles. Voilà, sinon tout va bien. Je voulais vous montrer, donc, j'ai été chercher le fameux cadeau commandé au Père Noël. Et nous, on s'attendait à un petit jouet de taille moyenne. Mais pas du tout, je vois le colis arriver par la... Enfin, la dame me ramène le colis, je fais... Mais vous êtes sûr que c'est le mien? Et puis tout le long du trajet, je me disais, bon, ils ont encore collé un colis énorme pour un jouet tout petit. Enfin, en tout cas, pas très très gros. Non, non, les amis, pas du tout. C'est le jouet qui est gros. Voilà, voilà. Je vous le montre d'un peu plus près. On n'était pas du tout préparé à cette taille de colis. Enfin, vraiment, vous voyez la taille de ma main par rapport au bordel. C'est vraiment énorme. Alors, Yvette, je suis persuadée, j'ai qu'une hâte, c'est de voir son visage à l'ouverture de ce cadeau. Mais il va être méga ravi, vraiment trop content. Mais le truc, sachez qu'il est énorme, donc voilà, c'était ça en gros. Il a la voiture et puis quand il appuie sur un certain bouton, celui-ci je crois, ça lance la petite moto. Donc autant vous dire qu'on n'avait pas prévu du tout d'avoir un jouet aussi gros que ça dans la chambre, mais bon, c'est pas grave, c'est que pour un petit temps, puisque bah, comme je vous ai dit dans le vlog précédent, les enfants vont bientôt déménager à l'étage une fois que les travaux seront faits et il y aura donc plus de place, plus de rangement et tout. Mais c'est vrai que là, vu qu'on a fait dernièrement un énorme tri, un gros rangement, je m'attendais pas trop à avoir un jouet aussi gros. Oh les petits loups, je vous retrouve, devinez où? Dans mon bureau. Je viens de finir un montage, le montage d'une vidéo. Donc c'est cool, elle est en train de s'exporter. Je pensais pouvoir la poster ce soir, mais j'ai des doutes parce que je dois partir dans un quart d'heure chercher Léo et elle aura pas fini de s'exporter. Donc bon, c'est pas grave, je la posterai demain à 7h. Il y en a beaucoup qui aiment bien l'horaire du matin. Vous êtes nombreux à me dire, oh c'est trop bien le matin, parce que du coup on voit ça au petit déj, on se prépare avec et tout. Donc je pense que je la posterai demain. Voilà, comme ça je pourrais finir la miniature et tout au calme ce soir quand les enfants dormiront. J'ai bien avancé, j'ai pu filmer une AJS que j'ai à faire pour une asso. Voilà, j'ai envoyé une preview, j'ai monté mon vlog. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, c'est cool, j'ai bien avancé. Là, je vais aller réveiller Audi d'ici 10 minutes. J'ai pas pu vous prendre avec moi, je suis navrée parce que j'ai voulu carburer au maximum pour m'avancer. Vraiment, non, je suis contente, je suis très très contente. Ah, il faut que je remonte parce que j'ai pas descendu le Chase là, le pas de patrouille là que le Père Noël a ramené déjà un peu en avance quoi. En gros, t'as compris ce que je voulais dire. Il faut que je cache tous les trucs de Noël et tout dans mon bureau parce que sinon je suis grillée, il va tout comprendre et c'est foutu après. Et bonjour, bienvenue dans la suite du vlog. Je suis désolée, hier je vous ai lâchement laissé de côté puisque j'ai été chercher Léo à l'école sous des hallebardes. Il pleuvait, j'ai pas eu l'occasion de reprendre ma caméra ensuite puisque ma maman nous a ramené de goûter et est venue passer un petit temps avec nous. Et puis ensuite, bah, la routine du soir, vous connaissez, le bain, manger, les histoires, les câlins, le dodo et tutti quanti. Voilà. Donc je vous reprends ce matin, il va être 11h, il est 11h moins le quart, j'ai rendez-vous à 11h chez Bella Sourcil. Puisque je vais faire ma retouche annuelle pour mes sourcils, autant vous dire que j'ai bientôt hâte parce que j'ai laissé le tout en jachère depuis pas mal de temps et que là j'ai hâte. C'est une copine à moi du lycée qui a ouvert son salon et c'est il y a à elle que je fais confiance. Et donc j'ai rendez-vous à 11h pour faire la retouche. Voilà, donc là pour le moment c'est comme ça. Je sais pas si vous allez trop vous rendre compte avec ma tête en gros plan, on adore. Sachant que je remets toujours un petit peu de crayon à ce niveau-là puisque j'ai l'impression qu'il y a un endroit où ça c'est un peu parti en fait. On va refaire ça, elle va me bien m'épiler, me refaire le beau trait et tout. Bon, ça va être un peu gros, un peu foncé au départ, comme d'hab, mais c'est normal. Ensuite il faut le temps que ça cicatrise, que ça croûte, que tout ça. Et après, j'aurai des sourcils on flick. Ce matin, c'est moi qui ai déposé Léo à l'école parce que j'avais pas mal de boulot. Donc, comme David Saillé est en vacances, eh bien, je lui dis, vas-y, reste à la baraque. Je vais amener l'abricot tornado. Et ensuite, de toute façon, j'avais du boulot. Il fallait que je retravaille quelques petits trucs et tout parce qu'il fallait que j'envoie des previews. Donc, voilà, c'est fait. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, j'ai pu voir un petit peu ma petite Oli, mais elle était cuite, elle n'a pas passé une super nuit, elle s'est réveillée deux fois. Je l'ai trouvée un peu chaude, mais j'ai pas pris la tempête parce que j'avais clairement la tête dans le coltard. Et je pense qu'elle couvre un petit truc, donc voilà, à surveiller. Mais elle était fatiguée, donc voilà, je n'ai même pas pu lui dire au revoir parce que quand je suis partie, elle s'était rendormie. Bref, j'arrête de papoter, je file chez ma copine, enfin dans son salon. Et puis on va prendre un petit temps pour...
pour me refaire une petite mise en beauté des sourcils. Tadam! Bon, voilà le résultat. Je sais pas si vous verrez quelque chose dans la voiture parce que je suis dans le noir. Je suis toute rouge de partout. Mais ça y est, c'est fait. Donc c'est parti pour 3 jours sans eau dessus. Ensuite, juste tamponner s'il y a de l'eau pendant les 4 jours qui suivent. Et après, on reprend normal. Donc voilà, ça va croûter, ça va tout ça. Mais je suis tranquille pour 1 an. Et ça, c'est trop chouette. Et ça y est, me voilà de retour à la maison. Je me suis arrêtée à la boulangerie, acheter des petites chouquettes parce que Léo adore ça et aujourd'hui c'est la Saint-Léo. Donc il me fallait des petites chouquettes pour dire de marquer le coup. J'en ai profité pour prendre à Père Dadou et moi des petits éclairs pour lui au Nutella, pour moi au Kinder Bueno. Et puis ici on a une petite coquillette qui est en train de manger. C'est papa qui a fait à manger des petites pommes de terre frites là et du jambon. Voilà, donc Olive va manger ça, va se régaler. Sachant qu'hier j'avais fait saucisse lentille et genre gros kiff intersidéral. Donc voilà, on va passer à table et puis cet après-midi au programme, j'ai pas mal de boulot. Mais ce que j'ai envoyé ce matin a été validé. Donc ça c'est cool, il va falloir que je prévoie, que je planifie tout ça. Mais il me reste quand même pas mal de choses à faire encore sur ma to-do. Alors, je vous reprends depuis mon bureau, il est pas encore 14h. Je vais vous montrer vite fait, j'ai reçu un truc qu'on prend à Léo pour Noël et un nouveau calendrier de l'Avent. Ce qu'on a pris à Nounou pour Noël, c'est un livre zigzag avec les véhicules. Et en fait c'est un livre particulier puisqu'il s'ouvre en accordéon et il fait 2 mètres de long. Et les enfants peuvent ensuite jouer avec le livre comme un circuit et tout. Il y a plein de choses sur les véhicules. Enfin voilà, je vous laisse admirer si vous pouvez voir. Je ne connais pas du tout ces éditions, ni même ces collections-là zigzag. C'est les éditions Maki. Et je pense que Nounou, ça peut vraiment lui plaire pour Noël. Du coup, on lui rajoute ça avec son petit truc pas de patrouille que je vous ai montré hier. Enfin, son petit truc pas si petit que ça. Et donc voilà, ça c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui pour Nounou. Sachant que j'ai reçu un autre livre, mais qu'on lui offre aujourd'hui, vu que c'est sa fête, on voulait lui faire un petit cadeau. Et alors sur Choose, il y a une vente calendrier de l'Avent. Et j'ai passé commande pour un My Little Box et un... je sais plus quoi, un truc beauté également. Mais le problème c'est que j'ai reçu donc le My Little Box et j'ai reçu celui-ci. Sauf que celui-ci, c'est celui que j'ai eu l'année dernière. Donc j'ai pas compris, j'ai essayé d'aller sur l'appli et tout pour retourner sur le produit pour voir si c'était bien mentionné celui-ci, si c'était dit que c'était celui de l'an passé, si c'était la même photo. Sauf que pour moi c'était pas cette photo-là et c'était pas du tout écrit que c'était celui de l'an passé puisque je l'avais déjà eu, je l'aurais pas pris. Mais le problème étant, quand je vais sur l'appli, quand j'essaye d'aller sur le produit, ça ne marche pas. Donc ça m'embête, même si quelque part ça change pas grand chose parce que je me souviens plus du tout de ce qu'il y avait dans celui de l'an passé. Mais tout de même, j'aurais aimé avoir celui de cette année. Donc voilà, je vais essayer de creuser. En tout cas, il est très beau, hein, il est très grand et tout. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai dit, mais il me dit quelque chose celui-là, c'est bizarre. Et en fait, j'ai regardé dans mes vlogmas de l'an passé et je l'avais bien. Enfin, c'était le même. En tout cas, pour moi, c'est exactement le même, je crois. Je vais quand même revérifier, j'ai un doute. Oui, c'est bien le même. Regardez, j'ai zoomé sur l'une de mes vidéos. On me voit en train de l'ouvrir et on l'aperçoit derrière. Et c'est donc exactement le même. Donc, je vais essayer de contacter le service client. Je vais voir. Parce que j'ai un peu les boules, franchement, si c'est le même. Bon, en soi, c'est pas bien grave. Mais ouais, c'était pas l'idée. Donc, je vais voir ça. Là, je viens d'imprimer un brief pour une collab que j'ai à faire. Donc, j'aimerais la filmer. Ensuite, j'ai une sélection à faire. Il faut également que je réponde à quelques mails, voire même beaucoup de mails. Donc, j'ai pas mal de trucs qu'il faut que je fasse. Donc, voilà. Je prends mes clics et mes claques et je remonte là-haut. Parce que ici, je vais pas filmer ici. Je vais filmer là-haut. Je suis en train de préparer la petite table du goûter pour les hauts. Et donc, je vais petite chouquette et le petit livre qu'on lui a pris pour sa fête. Enfin, c'était pas prévu, mais du coup, je vais lui offrir pour cette occasion. C'est ce livre-là qui est super beau. Il est pop-up avec donc des véhicules, des camions et tout. Regardez ça, tac tac. Donc il va trop kiffer, je vais lui mettre juste en dessous son goûter. Et ici, obligé d'allumer la lumière parce qu'il pleut des cordes et clairement on dirait qu'il fait nuit quoi, c'est un enfer ce temps. La Père Dadou est donc partie chercher Léo en voiture parce que franchement vu ce qui tombe, c'est même pas la peine d'y aller à pied. Olivia dort encore, je pense que je vais la réveiller une fois que son frère sera rentré, comme ça elle prendra le goûter avec. Et puis voilà, depuis que je vous ai laissé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à poster certains trucs, ensuite je
je n'avais plus de batterie, donc je vous ai mis à charger. Et puis voilà, 2-3 petits trucs ici ou là. Mais l'après-midi est passé très vite. Et la journée en elle-même aussi, comme d'habitude. Mais c'est cool parce que j'ai bien avancé certaines choses. Les journées ou même les vlogs comme ça, c'est un peu relou parce que j'ai pas grand chose à vous montrer réellement. Puisque je bosse beaucoup sur l'un de mes ordis. Et donc voilà, je vais pas vous montrer moi devant un écran pendant 4 heures. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Et autant vous dire que j'étais bien tentée par une petite sieste, puisqu'ici ça roupille dur, n'est-ce pas mademoiselle Soquette? La Soc-Soc, elle a trop décrété que c'était son fauteuil, la loveuse. Cette loveuse, elle est vraiment géniale. Vous savez, c'est le gros fauteuil comme ça qu'on a dans le coin. Qu'est-ce qu'on est bien dedans, c'est... Oh, mon dieu, j'adore. Mais alors, Soquette, elle veut tout le temps faire des siestes ou dormir et tout dedans. Et ouais, clairement, quand je la voyais là comme ça, je me disais, putain, moi aussi j'ai envie de roupiller. Bon, je vous retrouve avec tout le barda derrière. Je viens de mettre des croque-monsieur au four pour ce soir. Gâteau au chocolat pendant que ça cuit. Vous savez, les petits gâteaux Marlette là que j'aime tant, ceux-là ils sont vraiment géniaux. J'adore cette marque. Je vais ensuite laver la salade et puis on pourra passer à table. Voilà, je vous ai pas repris parce que comme hier ma mère est passée, aujourd'hui c'était mon père. Il nous a déposé un congélateur qu'on va mettre en fait en bas pour faire du stock quand on fait des gros plats, quand on a de la viande à garder ou ce genre de choses. Enfin bref, donc on a pu en récupérer un et ça c'est trop cool. Mon père nous l'a donc déposé. Il est resté jouer un peu avec les enfants et tout. J'ai pas eu l'occasion de vous reprendre. En tout cas, Léo était très content avec ses petites chouquettes, son livre, et je lui avais rajouté un petit œuf Kinder là qu'il avait. Ça fait 2-3 semaines qu'ils sont là. Il en avait 3 et puis il en restait un, donc je lui ai mis en même temps. Je vous retrouve avec une ambiance un peu disco là, avec mon abat-jour en osier. Bon, je vous retrouve juste pour clôturer ce vlog. Les croque-monsieur étaient très bons et le gâteau au chocolat, je l'ai pas encore goûté. Léo n'en voulait pas. Et puis le père d'Adou, lui, il mange pas trop tout ça. Je vais clôturer le vlog maintenant, comme ça je vais pouvoir m'atteler au montage tranquillou. Ça y est, les enfants dorment depuis un moment, même pourtant il est pas tard, il est 9h20. Je vous laisse ici, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.